Bonjour à tous, nous continuons la guidance astro pour les 12 signes du zodiaque pour ce mois de novembre. Ceci sera pour les Verseaux. Allez les Verseaux, c'est à vous. On va faire votre énergie du mois avec le tarot de Marseille, les glames majeures du tarot de Marseille pour avoir... Ouh, le soleil qui a sauté. Est-ce un bon présage tout ça? Alors, énergie du mois de novembre pour les Verseaux. Il y a la tempérance. Ah, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Tempérer, s'adapter. Et puis, le soleil était sorti, c'était bien pour vous. Le soleil, bien, l'énergie, la réussite. Ouh, ça commence bien. Allez, numérologie. Une carte, s'il vous plaît. Eh bien, c'est pas dit donc, ça fuse ce matin. Sécurité. Alors, sécurité. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la sécurité? Alors, c'est la lame 40. C'est pas celui-là. Je me disais aussi, c'est pas la même lame. Ah bah tiens, pile poil. J'ouvre, ça tombe dessus. Alors, la 40, on vous dit, vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous. Sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. Oui, il faut aussi prendre du bon temps, pas toujours penser boulot. Bon, ben c'est pas mal ça, la tempérance, le soleil, ben alors c'est nickel. Allez, c'est parti pour la guidance, la tempérance, l'ange gardien, l'équilibre, le bien-être. Essayez de tempérer, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pour le boulot, il faut se reposer, il faut travailler, mais aussi pour oublier de se reposer. Allez, 12 maisons, c'est parti. 1, 2, 3, 4, elle a voulu sortir celle-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12. Voilà, hop. Alors, est-ce que ça rentre tout ça? Oui. Oh, et le dos. Le dos, ça sera le dos. Oh, c'est pensif. C'est la femme. Alors, soit c'est vous, si vous êtes une femme. Soit c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Mais je pense que c'est plutôt vous, ça. Alors, là, on ne la voit pas, le dos du deck. Mais bon, tant pis. On va le mettre là, on verra peut-être mieux, là, oui. Voilà, allez, la maison 1, ce que les autres voient de vous. Oh, bah oui, vous êtes vraiment dans le pensif, là, et là, vous rêvez de vacances. Alors, du repos, voilà, si vous voulez envoyer, peut-être être dans un voyage, vous avez peut-être envie de voyager, de vous disperser, de voir ailleurs ce qui se passe. Donc, vous êtes plus ou moins dans vos rêves, dans vos... Voilà, c'est ça. La 2, votre budget avec votre travail. Alors, le budget, c'est plutôt consacré pour la santé, apparemment. Bon, il y a l'équilibre, hein, parce que quand même, c'est de la zénitude. Donc, quelque part, question finance, ça n'a pas l'air de vous tracasser trop. Vous avez peut-être aussi pour faire votre voyage, donc il n'y a pas de souci. Et peut-être aussi que vous allez dépenser peut-être pour votre santé. Alors, vous voyez, pour les médecins, pour une thérapie, pour un médicament, pour une opération, quelque chose comme ça. Mais bon, votre budget, pour le moment, la santé de votre budget va bien. La 3 pour les frères, sœurs, petits déplacements, petites études, examens. Oh, avec le serpent, il y a une transformation ou alors il y a des pics. Voilà, il y a peut-être un petit peu de voilà, comment on peut dire ça, il y a des pics en famille. Voilà, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, on va dire.
Pour la maison 4, bah on nous dit que vous avez le temps. La maison 4, c'est tout ce qui est de la famille. Alors, prendre le temps peut-être aussi pour sa famille. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la tempérance et la sécurité. On vous disait qu'il n'y a pas que le travail, il faut aussi mettre du temps pour sa famille. Peut-être avec un voyage, ou alors on prend le temps de voyager ou de faire quelque chose en famille. Pour la maison 5, les 5, oh, le trèfle, excellent. La maison 5, c'est les joies, les enfants, l'artistique, les gains au jeu aussi. Donc, avec la chance, pourquoi pas s'y mettre, hein? Un petit gratte-gratte, c'est bien. Ou un petit loto. Pour la maison 6, c'est le quotidien, le boulot, le dodo, et le métro, et puis la santé. Alors là, on vous dit que bon, le quotidien, il y a des hauts, il y a des bas, voilà, il y a des. C'est un petit peu soit brumeux, soit éclairci, voilà, il y a un petit peu de tout. Et bon, voilà, ça s'équilibre, on va dire. En maison 7, en maison 7, ah, les maisons 7, vous avez les. Personne influente, ou alors les avocats, ou alors huissiers, ou alors. Enfin, il y a une personne quand même assez haut placée. C'est aussi des écrits, c'est aussi des signatures, ça peut être des formalités qu'il va falloir peut-être regarder de plus près. Et c'est la maison 7, c'est la maison des autres. Alors, voyez avec vos autres, vos connaissances, hein, vos relations professionnelles, amicales et aussi de relations amoureuses, de voir s'il n'y a pas peut-être quelque chose de juridique à voir et à revoir peut-être aussi. Le 7, après c'est la 8. La 8, c'est. Bon, on lance les dés sur la 8. Alors la 8, c'est l'argent des autres. Là, c'était votre argent. Quand on voit qu'il y a une bonne santé, il n'y avait pas de souci. Et là, c'est l'argent des autres. Alors, on vous dit de lancer. Alors, si vous avez peut-être une prime à avoir, hein, si vous avez fait des travaux et que vous avez peut-être une prime de l'État ou quelque chose comme ça, eh bien, quand même, lancez-vous, même si vous pensez ne pas avoir cette prime parce que vos revenus sont peut-être au-delà de ce qu'ils disent, lancez quand même, faites des démarches, ça peut toujours servir et au cas où ça pourrait peut-être marcher. Donc 7, 8 et 9, la maison 9. La maison 9, c'est la maison des voyages, justement. Et on dit que vous étiez en plein dedans dans les voyages. Donc vous êtes indécis, vous ne savez pas trop où aller en fait. Écoutez. À vous de voir hein, ce que vous aimez le plus, mais là il y a une indécision. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, on va à tel endroit ou un autre endroit. Écoutez, si ça vous parle, eh ben, lancez-vous hein, et puis voyez où vous partez. Mais là, c'est aussi le spirituel, donc peut-être aussi indécis ou peut-être avoir des idées mais pas les concrétiser. Ça se peut aussi que ce soit ça. La 7 après 7, 8, 9, 10. La 10 opposée à la maison 4 de la famille. Comme vous disiez, de prendre du temps pour votre famille. Et on voit que la maison 10, la destinée, les travails, tout va bien. C'est le pied. On ne peut pas dire mieux. Hein, les Verseaux, là on vous dit le soleil. Et là on vous remet le soleil. Et la maison 10 est la plus importante. Alors, je pense que ce mois ne devrait pas être compliqué à vivre. La 11, c'est les relations professionnelles, relationnelles, sentimentales, mais plutôt relationnelles. Là, on vous dit qu'il y a les masques. Alors, avec les masques, on n'est peut-être pas aussi sincère qu'on devrait être. On se cache derrière quelque chose. Alors, on peut être. Là, il y a le soleil, on voit qu'il y a le soleil et la lune. C'est que vous avez quand même deux facettes. Une facette peut-être très solaire, hein, que l'on voit là, et une facette un petit peu plus intériorisée, plus. C'est plus à l'intérieur. Donc vous jouez un petit peu sur les deux facettes hein, en relation. Hein. La maison 12, la maison 12, la maison des secrets, la maison des lieux fermés, tout comme les prisons, les retraites, la maison de retraite, les internats, si vous avez des enfants aux internats. Là, on vous dit que vous allez discuter. Alors, de votre couple peut-être, hein, peut-être pour ce voyage justement, ou alors discuter de ce que vous allez faire peut-être dans quelques années, ou comment vous allez le voir. Enfin, on voit que c'est quand même, c'est la maison 12, elle est quand même spirituelle. C'est aussi la maison des maladies ou des maladies assez fortes, hein, assez.
Autant la maison 6, c'est des petits bobos de la vie quotidienne, autant la maison 12, c'est quand même quelque chose de plus sérieux. Mais là, bon, vous avez discuté, mais je pense que c'est plutôt discuter de voyage ou discuter de ce que vous allez faire dans les années plus tard. Ou peut-être parler de votre retraite si vous allez, si vous êtes à la retraite bientôt. On ne sait jamais, ça peut toujours être ça. Alors, on va donc, pour ce mois de novembre, hein, les Verseaux, c'est parfait. Hein. C'est vrai qu'avec le soleil, l'intempérance et la lame 40 de la sécurité, ben, on voit que dans toutes les maisons, à part les maisons frères, sœurs et petits déplacements, il faudra faire attention là, parce qu'il y a peut-être un petit hic. Le reste, ça va. Hein. Alors, deux planètes. Hein. Voilà. Et dans les lames de cœur, on va en tirer une. Dans l'Astro Crunch. Allez, une carte pour cette fin de guidance. Hop, ça sera celle-ci. Voilà. Alors, en planète, on vous a tiré le soleil. Ah bah dites donc, trois soleils dans une même guidance. C'est exceptionnel ça. Alors là, bah, de l'énergie, hein, du solaire, de l'énergie, tout va bien. Voilà, on ne peut pas dire mieux, les Verseaux, c'est tout va bien. Et Mercure, communication. Les transports, faites attention, maison 3. Vous avez le serpent. Mercure, c'est aussi les transports. Alors, peut-être dans les transports, levez le pied, n'allez pas trop vite. Et peut-être avoir des petits couacs, on ne sait jamais. Mais c'est ça va être avec les trois soleils, je pense que ça va pas être grave. Et pour l'astro, on vous dit le présent. Alors, le présent, je vais vous dire ça tout de suite. C'est le 22. La lame 22 dans le présent. Alors, on vous dit que c'est une carte positive. Eh ben, dites donc. Alors, cette personne vit dans le présent. Elle a une forte personnalité, mais arrive à faire la part des choses. Elle adore vivre au jour le jour sans se poser de questions. Cette carte représente aujourd'hui, donc ton tirage concerne les prochains jours. Ah, voilà. Donc, les prochains jours, eh ben, si vous avez trois soleils, là, ça va être nickel. Donc, prochains jours, on est en plein mois de novembre. C'est parfait. C'est nickel. Ça tombe pile poil. Bien, allez, on continue sur cette lancée. Eh bien, si toutes les guidances étaient comme ça. Hein? Allez, les petites heures miroirs pour la fin de guidance. Eh bien, ça a été vite quand même, cette guidance. Hein? Ça a été vite. Mais que du bon, que du bon. À part le petit tracas, là, avec le serpent en maison 3. Mais le reste, il n'y a rien à redire. Hein? C'est nickel. Hein? Allez. Les petites heures miroirs, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour la guidance des Verseaux en novembre? Guidance des Verseaux en novembre, s'il vous plaît. Guidance des Verseaux pour novembre, s'il vous plaît. Hop, la 2. Alors, la 2. Il y a l'instant présent. Voilà, c'est le présent là. Là, c'est l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Ah, ben voilà. Si vous avez un projet et que vous ne croyez pas trop votre projet, c'est peut-être ça que vous tourniez en rond là. Vous ne croyez peut-être pas ce que vous allez faire. Ben voilà, on vous dit que l'instant présent, c'est maintenant. Et la franchise à la 2. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, ben voilà, là, les Verseaux. Et ben avec ce tirage quasi magnifique, je dirais. Et ben écoutez, passez un beau mois de novembre. Et puis, ben on se retrouve dans un mois. Bonne journée, bon mois et prenez soin de vous. Au revoir.